Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Deuxième partie. Cette partie est composée de quatre exercices indépendants. Exercice 2. Ce tableau présente la hauteur en millimètres des précipitations journalières au cours du mois d'avril 2016 sur l'aéroport Roland-Garros de l'île de la Réunion. Question 1. Calculez la valeur moyenne des précipitations journalières au cours du mois d'avril 2016, arrondie au dixième de millimètre. Question 2. Déterminez la valeur médiane de ces précipitations journalières. Interprétez ce résultat par une grille. Question 3. Quelle est l'étendue de cette série? Question 4. Déterminez le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou égale à 13 mm. Puis exprimer ce nombre en pourcentage par rapport au nombre de jours dans le monde. Question 5. Sachant qu'une des pistes de décollage de l'aéroport Roland-Garros est rectangulaire et mesure 3000 mètres de long et 50 mètres de large, calculez en mètres cubes, puis en litres, le volume de pluie tombé sur cette piste au cours du mois d'avril 2016. Deuxième partie, exercice 2. Donc ici, études statistiques, donc précipitations journalières, on veut la moyenne, la médiane, l'étendue, les valeurs supérieures à 13 mm et donc un calcul de volume. Alors, calcul de la valeur moyenne, donc c'est simple, c'est x bar est égal à 0 fois 4 plus 0,3 fois 6 plus 1,3 fois 4 plus 1,7 fois 4, plus 2,5 fois 3, plus 7,3, 7 fois 3, plus 13 fois 2, plus 21 fois 1, plus 28 fois 2, plus 42 fois 1. Sur, donc, total, 4 plus 6, 10, plus 4, 14, plus 4, 18, plus 3, 21, plus 3, 24, plus 2, 26, 27, 28, 29, 30. Donc 30. Donc ça, on effectue le calcul sur la calculatrice. Donc ici, 0 fois 4, plus 0,3 fois 6, donc 0,3 fois 6, plus 1,3 fois 4, 1,7 fois 4, plus 2,5 fois 3, plus 7 fois 3, plus 13 fois 2, plus 21 fois 1, plus 28 fois 2, plus 42 fois 1. On trouve 187,3. 187,3 divisé par 30. On trouve, divisé par 30, 6,24. Donc au dixième de millimètre près, 6,2 millimètres. Donc il y a plu en moyenne 6,2 mm par jour. Alors ici on va faire un tableau d'effectifs cumulés. Donc effectifs cumulés 4, 10, 14, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Grand N ici. L'effectif total est égal à 30. Donc 30 est égal à 2 fois 15. 2 fois 15, donc c'est un nombre pair. Donc la médiane, c'est x15 plus x16 divisé par 2. x15 plus x16 divisé par 2. Alors ici, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 1,7 plus 1,7 divisé par 2. Donc le 15 et le 7 sont sur cette case ici. 4, 10, 14, 15, 16. Donc 1,7. Donc 1,7 plus 1,7 divisé par 2. Et bien ça c'est 1,7. Alors on peut vérifier ça avec la calculatrice. Dans statistiques, on entre les valeurs 0, 0, 3, 0, 1,3, 1,7, 2,5, 7, 13, 21, 28, 42. Donc ici, on peut mettre 4, 6, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Donc on va pouvoir faire stat.
Et on voit ici, donc ici les valeurs statistiques. On voit ici la moyenne 6,24, donc 6,2. Donc à la suite de l'écran, ici on trouve la médiane égale à 1,7. Médiane 1,7. Alors quelle est l'étendue de la série? Ça c'est simple. Donc l'étendue, c'est la valeur, c'est le caractère, la valeur de le caractère maximal moins la valeur de caractère minimal, donc 42 moins 0, donc c'est égal à 42. Donc étendue de la série, 42. Alors nombre de jours où la hauteur des précipitations est égale, est supérieure ou égale à 13 mm. Donc 13 mm. Donc on est ici, supérieur ou égal, donc ici. Donc, nombre de jours, supérieur ou égal à 13. Donc 2 plus 1 plus 2 plus 1, 4, 3 plus 3, 6. Et donc il y a proportion en pourcentage, donc PR en pourcentage. Donc 6 sur 30 fois 100, 600 divisé par 30. Donc 600 divisé par 30. Eh bien, c'est égal à 20%. Donc il y a eu 20% de jours dans la période d'un mois dont les précipitations sont supérieures ou égales à 13 mm. Sachant qu'une des pistes de décollage de l'aéroport est de 3000 mètres de long et 50 mètres de large, eh bien le volume en millimètres cubes, donc en millimètres cubes, c'est 3200 mètres, mais en millimètres cubes, c'est 0, 0, 0, donc ici 3 200 000 fois 50 000 fois le nombre de précipitations totales au cours de ces 30 jours, on l'avait calculé, ici c'est 187,3 mm, 187,3 mm, ça on peut l'effectuer sur la calculatrice, donc 3 millions fois 50 000 fois 187,3, on va trouver 2,996, donc 10, 8, on va prendre tous les nombres et après arrondir, fois 10 puissance 13 mm cube, donc ici 99,68 fois 10 puissance 10 cm cube, 2,9968 fois 10 puissance donc 7 décimètres cubes, ce qui fait donc 2,999968000 litres. Donc ici 2 996 800 litres, ou encore 2 996,8 mètres cubes d'eau. Donc il est tombé 2 996,8 mètres cubes d'eau au cours du mois d'avril 2016.